de façon très claire, la perte de biodiversité sera exacerbée par le changement climatique. Tout simplement parce que c'est un changement rapide auquel qui ajoute à la difficulté d'adaptation des espèces. La biodiversité est profondément affectée en ce moment par les changements globaux et en particulier les changements climatiques. Par exemple, dans les régions tropicales, avec l'augmentation des températures, on risque d'avoir une diminution de la biodiversité dans le milieu marin, mais dans les régions extratropicales, on aura une augmentation de la biodiversité, donc toute une réorganisation de la vie à l'échelle de l'océan et de la planète. La biodiversité n'est pas seulement impactée par le changement climatique, mais les modifications de biodiversité peuvent aussi modifier le climat, au moins à l'échelle régionale. Donc, quelques exemples, quand on coupe la forêt amazonienne, on change la pluviométrie parce que les forêts sont une formidable création de pluie. La vapotranspiration alimente la production de nuages au-dessus de forêts amazoniennes et donc les forêts créent leur propre moyen d'exister. Si on coupe les forêts, si on a un changement climatique en plus de ça, on va minimiser ou diminuer la quantité de pluie et effectivement on peut avoir l'effondrement local de forêts. Donc, il est important qu'on protège ces forêts, on protège la biodiversité et en plus, on protège le climat à l'échelle régionale et locale. La biodiversité en mer du Nord a augmenté et s'est accompagnée d'une diminution de la taille des organismes qui a eu des conséquences assez sévères pour certaines ressources exploitées, telles que la morue de l'Atlantique. Les proies des morues se sont modifiées et on a des proies qui sont beaucoup moins riches en énergie qu'autrefois. Ces proies ont diminué de 60%, ont été remplacées par d'autres mais qui sont beaucoup moins énergétiques. Du coup, la survie des larves de morue a été affectée. On a assisté à une diminution de la morue en mer du Nord. Alors bien évidemment, il y a l'effet de la surexploitation qui a eu des effets donc très forts sur les stocks. Mais en plus, on a également l'effet de l'environnement. On a longtemps cru que la surexploitation était le seul facteur responsable pour la diminution des morues dans l'océan Atlantique Nord et en mer du Nord. Ce n'est pas le cas. La morue est une espèce subpolaire. Si la mer du Nord devient plus chaude, la morue disparaîtra de la mer du Nord. On a une connaissance de l'impact du changement climatique des pollinisateurs qui augmente assez rapidement. C'est un groupe qui est de plus en plus étudié. Et il y a une étude qui est sortie assez récemment en Pays-Bas qui démontre que des plantes ressources pour certains types de pollinisateurs sont en déclin à cause de changements climatiques très vraisemblablement. Et donc, les pollinisateurs qui sont associés à ces espèces sont en déclin aussi. L'alimentation dépend très fortement pour certains types de cultures, très fortement sur les pollinisateurs. Donc, certains, comme le maïs ou le blé, ne dépendent pas. Mais le colza, par exemple, dépend très fortement des pollinisateurs. Et ainsi, et des pollinisateurs qui sont enfouédés dans le milieu naturel et semi-naturel. Et si un déclin de ces pollinisateurs, effectivement, on aura des effets néfastes sur certaines cultures. Le problème commun à biodiversité et climat, c'est l'acidification de l'océan. C'est très clair, l'acidification de l'océan, l'océan est près de 30% plus acide qu'il y a une centaine d'années. Si on continue, donc c'est lié à dans l'absorption, à peu près l'océan a absorbé 30% du gaz carbonique que nous avons émis au cours depuis 200 ans. Et cette absorption se traduit par une acidification qui est notable et qui aura des conséquences sur la vie océanique, sur les récifs coralliens assez rapidement, qui seront mis à mal par l'élévation de température et par l'augmentation de l'acidité de l'océan. Et on voit bien que si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien nous irions vers un doublement de l'acidité à la fin du siècle. Et c'est quelque chose qui est difficilement envisageable, qui devrait être un sujet central pour l'IPBES. On nous a dit aussi, enfin, bon, j'espère que ça se mettra en œuvre, parce que
à mon avis, ce serait bien que l'IPBES prenne ça en charge et pas simplement d'autres commissions qui existent déjà, dont on n'entend pas beaucoup parler quand même. Il y a une vraie question autour de la capacité d'adaptation des écosystèmes, des organismes face au changement climatique. La vitesse à laquelle le climat change est extrêmement importante concernant la capacité d'adaptation. Il y a une capacité d'adaptation remarquable dans les espèces. Ils peuvent évoluer extrêmement rapidement, mais rapidement, ça veut dire que pour beaucoup d'espèces, un changement de 2 degrés sur 50 années ou une siècle. Donc, si on dépasse cette vitesse de changement de climat, ils n'ont plus les capacités en termes de variabilité génétique, la capacité d'évoluer pour faire face à ce changement climatique, et donc il y aura des conséquences néfastes pour ces espèces. Si on élimine des espèces dans ces écosystèmes, c'est-à-dire qu'on a un très faible nombre d'espèces, et on enlève encore des espèces par le changement d'utilisation de terre, par les espèces invasives ou autres, est-ce qu'on va diminuer leur capacité de réagir face au changement climatique? Et la réponse est probablement oui, on va réduire leur résilience et leur résistance face au changement climatique. Par exemple, on préconise de plus en plus, si on veut faire face au changement climatique avec les forêts, il faut réfléchir, peut-être penser à gérer des forêts avec plusieurs espèces au lieu de gérer des forêts monospécifiques sur les grandes étendues. Scientifique, on comprend aussi bien les spécialistes de la biodiversité que les spécialistes du climat, ce lien très fort entre les, bon, au niveau des impacts, au niveau d'ailleurs des indicateurs, ce lien très fort entre climat et biodiversité, et c'est aussi la motivation de cette journée finalement, c'est de réunir la communauté scientifique à la fois autour de leurs problèmes communs et puis autour de cette objectif commun de participer pour les uns au GIEC, pour les autres à l'IPBES et de le faire de façon coordonnée. Hein, je crois que c'est important. Il est exact que le GIEC a une certaine antériorité. On ne souhaite qu'une chose, c'est bon, si on peut apporter à l'IPBES un certain témoignage de fonctionnement aussi bien au niveau des scientifiques que de l'organisation, que des ministères. C'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Je pense que c'est évidemment... C'est un plaisir de le faire. L'IPBES a été créé en s'inspirant effectivement du GIEC et parce qu'il n'y avait pas en fait de mécanisme qui permettait de fournir des évaluations de l'état des connaissances sur la biodiversité et les services écosystémiques de manière régulière en réponse à des requêtes par les preneurs de décision, en particulier les pays qui sont membres de l'IPBES. Donc il y avait là vraiment une lacune. La dernière évaluation datait de 2005 avec l'évaluation des écosystèmes du millénaire et depuis elle n'avait pas été répétée. Donc l'idée c'était vraiment de se doter de ce mécanisme pour que la communauté internationale dans le monde entier puisse fournir ses avis afin d'avoir des repères au fur et à mesure des années pour pouvoir, de la même manière que l'IPCC, informer la prise de décision. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire il faut qu'on continue aussi à... Mon souhait, enfin, disons, ce serait vraiment de créer une communauté climat-biodiversité, une communauté scientifique qui travaille de plus en plus ensemble, parce que ces problèmes de biodiversité sont certainement aussi importants, même s'ils ont moins de visibilité médiatique pour le moment, que les problèmes de climat dans le futur climatique. La France a été un des pays qui a soumis le plus de candidatures.
et qui ont, et non seulement le nombre a été important, mais la qualité a également été remarquée. Elle avait été, les candidatures avaient été très bien préparées. On voyait que la communauté avait été informée, qu'elle savait dans quoi elle s'engageait. C'est tout un processus, hein, donc il faut être motivé aussi pour vouloir participer. In fine, dans les politiques intégrées, de gestion d'un territoire par exemple, ça sera difficile de distinguer ce qui va relever de la biodiversité. Une politique d'urbanisme, c'est une politique intégrée dans laquelle vous allez mettre dedans, vous allez avoir plusieurs objectifs, des objectifs sociaux, de logement, il faut procurer des logements aux gens, des objectifs de mobilité, il faut que les gens puissent se déplacer vers leur... Et puis aussi des objectifs environnementaux, alors vous allez mettre dedans de l'adaptation au changement climatique, votre ville finalement soit résiliente par rapport au climat, et puis des éléments de réduction des émissions, quelque part vous allez être contraint parce que vous ne voulez pas trop de transport, et puis éventuellement aussi des objectifs liés à la biodiversité en ville, alors toute la problématique des trams vertes, etc. Et donc là, quand on parle de ce type de politique, on ne peut pas s'amuser à les couper en petits morceaux en disant qu'il y a ce morceau biodiversité, ce morceau climat. Il faut bien regarder ça de façon intégrée, il y a une décision prise à un moment, d'où l'importance d'avoir cette pluralité de regards en amont. Des politiques qui gèrent des espaces dans lesquels forcément, de toute façon, votre décideur public doit intègre de facto ces différents facteurs. Mieux vaut qu'il le fasse de façon informée. Risquer d'avoir des prescriptions qui, par exemple, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc climatiques, qui sont en fait contraires, en tout cas donnent des risques pour les prescriptions qu'on peut avoir sur la protection de la biodiversité. Planter des arbres en très grande quantité, de telle sorte qu'ils séquestrent une partie du carbone atmosphérique. Dans les deux cas, ces politiques, dont on nous dit qu'elles sont nécessaires pour atteindre le plus de degrés, ont des implications fortes sur l'usage du sol. On parle de dizaines de millions d'hectares, voire de centaines de millions d'hectares qui seraient concernés. Je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine que ce type de politique ne peuvent pas avoir d'impact sur la biodiversité. Sont-elles compatibles ou non avec la possibilité de maintenir les autres objectifs de biodiversité que la communauté internationale s'est fixée? Ça, c'est une question qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment explorée et qui, je crois, a vraiment besoin de l'être pour ne pas qu'on s'engage dans des prescriptions d'un côté qui en fait, nous tirent une balle dans le pied de l'autre.